Pour la recette d'aujourd'hui, nous aurons besoin de noix de palme. Donc voilà, j'ai pris une grosse noix de palme, mais vous pouvez prendre, diminuer les quantités, prendre 500 grammes. J'ai pris aussi une boîte de l'arachide écrasé, du sel, du sucre et maintenant de l'élément phare, les feuilles de coque. Voilà. Nous allons commencer avec notre recette. Bonjour à vous. Si tu es nouveau sur cette chaîne ou si tu tombes sur cette vidéo à l'instant, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je poste de nouvelles vidéos. On revient avec notre recette. J'ai pris les feuilles de coque et je les ai lavées soigneusement. J'ai fait au moins trois lavages pour enlever toutes les saletés sur les feuilles de coque. Ensuite, je prends les feuilles de coque, je les mets dans un mixeur. Ça, c'est une astuce pour faciliter la cuisson. Et je rajoute de l'eau chaude. Donc, les feuilles que je viens de les laver, je les ai mis dans le mixeur et j'ai rajouté de l'eau chaude. Maintenant, je vais mixer le mélange. Donc, ça va me permettre de ramollir les feuilles de coque. Là, je mixe pendant quelques minutes, juste un peu pour ramollir les feuilles. Il ne faut pas qu'elles soient aussi trop écrasées. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons passer à la cuisson. Donc, je mets une casserole au feu. Voilà ma casserole. Et dans la casserole, je vais venir verser la pulpe de noix de palme. Donc voilà. Comme je l'ai mentionné, vous prenez les quantités qui vous conviennent. Vous allez remarquer que ce plat est très facile à faire, très facile et il est super bon. Avec la technique d'écraser les feuilles de coque avec de l'eau chaude là. Ça ira un peu plus rapidement. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, je vais venir rajouter de l'arachide à nos pulpes de noix de palme. Donc je rajoute une bonne quantité de pâte d'arachide. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais venir rajouter à tout ce mélange nos feuilles de coque écrasées. Vous voyez comment la recette, elle est simple. Donc, je vais rajouter, verser nos feuilles de coque écrasées dans la marmite. Voilà. Comme je le mentionne, écraser juste un peu. N'écrasez pas trop les feuilles, juste un peu. Notre mélange est dans la marmite. Maintenant, je viens rajouter 2 à 3 litres d'eau. Voilà. Rajouter 2 à 3 litres, vous rajoutez d'abord 2 litres d'eau. Maintenant, au fur et à mesure de la cuisson, vous pouvez rajouter l'eau ou pas. Maintenant, je ferme tout ça et je laisse cuire à feu doux. Non, très doux. Donc, j'ai mis la gazinière, je crois, à 4. Ouais, 4 sur 10. Hein. Donc, j'ai mis à 4, je crois. Donc, j'ai fait à feu très doux. Vous laissez maintenant cuire.
Voilà, mais vous regardez de temps en temps, vous suivez votre cuisson. Là, c'est quelques minutes après, ou une heure plus tard. Oui, je crois que c'est une heure plus tard. Je suis venue regarder aux 30 minutes. Vous voyez comment la flamme, elle est vraiment à feu doux. Je referme encore et je laisse mijoter. Quelques minutes plus tard, une heure après, 2 heures, vous voyez comment l'huile a baissé déjà. De l'huile a baissé dans la marmite. L'eau, pardon. L'eau a baissé. Et l'huile va remonter tout au-dessus de la cuisson vers la fin. Voilà, au milieu de la cuisson, vous rajoutez une pincée de sel. Juste un tout petit peu. Donc le coq ne doit pas être salé. Donc rajoutez une pincée de sel, vous remuez et vous allez fermer et attendre encore quelques heures. Je vous recommande de faire ce mets le week-end surtout, lorsque vous avez un peu de temps. Donc voilà, regardez quelques heures après, ce qui est rouge là, c'est l'huile qui est montée tout au-dessus de la cuisson. Au-dessus de la marmite, c'est l'huile des pulpes de noix. Regardez. Voilà, je remue encore un peu. Lorsque la cuisson est prête, je vais rajouter le sucre vers la fin. Maintenant, le sucre dépend aussi de votre sensibilité. Voilà, vous mettez à votre convenance. Là, j'ai mis un peu de sucre. Et je remue encore le mélange. Notre sauce de coque est presque prête. Après, je vais encore fermer et laisser mijoter pour quelques minutes et je vous montre le résultat tout de suite. Voilà, notre vidéo arrive à sa fin. Si tu tombes sur cette vidéo à l'instant,
Ici, c'est tuto cuisine. On parle, on fait de la cuisine. Je donne des astuces sur l'alimentation. Et je vous fais des tutos aussi. Donc, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être au courant de nouvelles vidéos lorsque je les poste. Voici le rendu en délicieux plat de coque avec le bâton de manioc. Ça se mange aussi avec le manioc, tout simplement. Merci encore de vous abonner et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!